Ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois d'octobre. un Très beau tirage, il y a beaucoup de choses déjà qui ressortent. Alors, ce que je vous propose, les lions, c'est de bien compléter avec votre ascendant, parce que souvent les énergies ascendantes sont plus parlantes. Je l'observe régulièrement autour de moi, compter de 35-40 ans, parfois c'est 50-60. Rarement avant, mais voilà. Alors ici, on va aller voir les énergies générales. Ensuite, on ira voir la sphère pro. Mais pour beaucoup, hein, cette énergie, elle se glissera plus vers le travail que vous faites sur vous, euh, les responsabilités parentales, par exemple. Ça peut être ça. Ici, on ira voir la sphère plus matérielle, financière, concrète. Et on finira sur du sentimental. Ça parlera de vos émotions avec quelqu'un en particulier ou avec vos amis et votre famille. On complétera avec une carte conseil sur chacun des thèmes pour vous orienter vous donner une réponse pour certains d'entre vous. Prenez bien le temps aussi d'observer les petites breloques parce que celles-ci vont parler à chacun d'entre vous différemment. Je ne dispose que de 20 minutes. Impossible, bien sûr, de pouvoir vous donner tous les détails pour toutes les situations. Moi, ça m'arrive parfois même le 31 du mois. Je peux vous dire, c'est une situation qui est décrite à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à revenir au mois de novembre. Alors, déjà, on a un petit oiseau qui est sur le bord du cadre ici, vous voyez, le petit oiseau. Et on a ce vert et on a ce bambi. Alors, ici, déjà, on a la forêt ici. Hein. Beaucoup de forêt, beaucoup de nature, beaucoup de tout ce qui est en lien avec l'agriculture. Par exemple, vous faites euh, la vigne ici, on a le vin. Euh, on a du talent ici pour les lions, même. On a du talent pour agencer. Euh, son jardin, ou voilà, alors après au sens symbolique, c'est le jardin intérieur. Et le jardin intérieur, ici, ce qui ressort, c'est l'énergie du chakra du cœur, de l'affection, euh, du, 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 du désir, hein, le charme, l'attraction. Il y a beaucoup de choses au niveau de ce que vous dégagez, au niveau du cœur, de ce comment vous vibrez. Ça, ça ressort aussi énormément. Alors il y a quelque chose d'essentiel aussi dans vos tirages, c'est le fait de faire des réglages. Hein. Les réglages, on le voit partout. Les outils. On me montre ici des outils. Donc, au sens simple, eh bien, certains, vous faites des outils, vous faites du jardinage, vous réglez des choses. On voit ça. Hein. Pour certains, peut-être même que vous êtes dans une profession artisanale ici. Hein. On, a, on, a, on a une palette de peinture, donc ça peut être... Un artisanat. Euh, on peut avoir également euh, l'idée que l'on fasse euh, encore une fois beaucoup de réglages, mais qu'on dispose aussi beaucoup d'outils et de ressources. Et là, ça ressort beaucoup euh, pour gagner de l'argent ou en tout cas obtenir euh, grâce à des petites choses ci et là, euh, grâce à votre omniscience, à des différents talents en tout cas. Il euh, y a des choses qui se passent ici au niveau matériel et financier. De la ressource, on me dit, vous avez de la ressource. Pour certains, c'est clairement de l'argent qui arrive, une réussite professionnelle, et c'est par le biais professionnel que ça ressort, puisqu'on me dit travail et travail. Vous voyez, on n'a que ça. Donc, pour beaucoup... Il y a la notion de travail, beaucoup de travail. Ça me parle également d'un travail que vous faites sur vous, que vous avez beaucoup investi. Des petits jobs ci et là qui font finalement votre euh, ressource euh, et vous pouvez vous spécialiser. Vous voyez comme on a une donnée empirique ici avec cette pyramide. Pyramide qui nous parle de réussite hein, quand même sur la sphère pro. Et semble-t-il que on a encore la notion de choix Ça me fait penser à ce personnage qui est un petit peu Shiva. Vous voyez, il peut il peut servir, il peut couper, il peut, il peut tout faire. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, ce n'est pas que culinaire. Hein. C'est l'idée que vous ayez plusieurs outils, plusieurs ressources pour toujours retomber sur vos pattes. Et pour d'autres, vous vous spécialisez dans quelque chose qui est assez polyvalent. Hein, vous avez même beaucoup, beaucoup de ressources, beaucoup de CV, de choses qui sont intéressantes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et si c'est le cas, alors là, je peux vous dire avec ce 8 de bâton, si les choses étaient très calmes, ça va s'accélérer. Il va y avoir des retours, des retours très positifs, très gagnants. Ici, hein, pour beaucoup, si ce n'est pas vous, c'est un proche autour de vous et vous en bénéficiez. On, on parle de confort, on parle d'argent, on parle d'affection. Donc, très intéressant. Pour beaucoup de Lions, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent un retour d'une personne, le retour d'une situation que vous avez semée, la suite hein, du chemin que vous avez parcouru. voyez Avec ce huit de bâton, eh bien, on est dans des énergies où il y a beaucoup d'opportunités. Et en plus, en dos de deck, j'ai le soleil. Alors, soit c'est beaucoup d'opportunités professionnelles, voilà, par rapport à un travail, on le voit. Ça montre des CV, des mails, des écrits. Avec, vous allez avoir beaucoup plus de retours que vous le pensez. Pour certains, c'est un succès, c'est une expansion. On le voit même avec la cigogne et on voit bien que vous avez même l'embarras du choix, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan matériel ou le plan au niveau du, euh, du, du pro. Mais voilà, alors, beaucoup d'entre vous, c'est vraiment un travail sur la réussite, sur le succès, sur le charme, sur le charisme, sur le fait que vous attirez à vous hein, ce que vous vibrez. Donc, plus vous vibrez cette énergie du cœur, plus vous, êtes, vous, vous allez avoir le, les retours positifs des gens. Et il y a vraiment quelque chose qui émerge de, de, de très beau, euh, une belle énergie, de, très chaleureuse. Hein, moi, je ressens ça pour vous. Alors, bien sûr, pour certains, ce n'est pas forcément euh, euh, facile, hein, la situation que vous vivez. Donc, tout est mesuré en termes d'intensité ici, puisqu'on me parle quand même d'avoir un choix aussi à faire. Donc, certains, vous devez faire des choix financiers, des choix pros ou des choix sentimentaux. Et tout ça est lié à l'idée que vous voulez la paix, le calme, l'affection. Et on parle de miracle qui n'est rien de plus que la guérison. Donc certains d'entre vous, vraiment, vous guérissez d'une situation qui a été longuement éprouvée, mais pour moi, vous avez fait les réglages nécessaires. Et euh, j'ai l'impression que le G peut nous parler de gagner. Hein, voilà, gagner quelque chose, vous avez obtenu quelque chose ici. Mm. Alors, premièrement, ici, en énergie générale, on parle de différence et de calme. On voit que celui de bâton, c'est l'énergie de la rapidité. Euh, donc certains, vous allez avoir des retours sur une situation en restant calme, en vibrant le calme, en vous ressourçant, en prenant soin de votre hygiène de vie ici, alimentaire, balade, euh, les réglages en tout cas au niveau de votre chakra du cœur. Euh, pour certains, c'est le fait que vous ayez euh, plus de possibilités, les choses comme si énergétiquement, vous voyez toutes ces énergies qui sont ici. Vous aurez plus de retours si vous êtes vous prenez du recul, si vous êtes dans une énergie d'apaisement, euh, de paix. Euh, voilà, c'est comme ça que les choses reviendront mieux vers vous. C'est ce qu'on vous donne comme conseil ici. Et on vous dit qu'au mois d'octobre, vous allez en sentir les effets. Pour les autres, vous avez pu vivre une, une, un été comme ça où, euh, alors, soit vous avez eu beaucoup, beaucoup de travail et on voit le soleil, donc ça nous parle aussi d'énergie euh, de l'été. Pour certains, c'est ça vous avez eu beaucoup, beaucoup de travail et vous avez enfin les retours. Pour d'autres, ici, on va surtout me parler d'y voir plus clair hein, euh, dans ce que vous voulez. Et vous êtes enfin, vous allez pouvoir vous poser. Pour certains, si les choses étaient trop rapides, ben là vous vous posez. Pour d'autres, c'est le contraire. Si ça avait été trop calme, trop stagnant, et eh bien là ça s'accélère. Voilà. C'est comme ça que votre tirage y ressort. Mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est cette balle au centre dans le, le gant de baseball. C'est vous qui choisissez de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités et de potentiel, c'est ce qu'on me dit. Au niveau de la sphère professionnelle ici, j'en ai, ai beaucoup parlé parce que effectivement, on a la notion de travail qui ressort beaucoup et surtout les carrefours, les choix. Alors certains, vous avez un poste où vous êtes, euh, vous avez une branche, puis encore une autre, puis encore une autre, encore une autre. On parle d'omniscience. Donc euh, certains, c'est un travail euh, qui euh, effectivement appelle à vos potentiels. Vous êtes peut-être euh, au potentiel, c'est ce qu'on peut me dire et pour euh, bah, c'est là où on va exploiter tout ça et vous allez obtenir le fruit de vos résultats. Euh, pour beaucoup c'est le fait qu'on puisse agir sur la matière ici. Hein. moi j'ai des outils comme le magicien vous savez qui transforme une idée euh, qui la matérialise. Bah, c'est un peu cette énergie que je ressens ici avec euh, celui de bâton. Et on voit qu'on bâtit, voilà, on bâtit en faisant maintenant. Donc, beaucoup vous avez une idée avec l'attraction, on parle de loi d'attraction, et on va s'y mettre là, et on va bâtir petit à petit, on va se construire, on va construire sa réussite ici, les lions. Ceux qui n'ont pas de travail, eh bien là, vous allez avoir du choix. Peut-être même certains, vous allez plutôt chercher une, euh, un mi-temps, par exemple. Beaucoup sont dans un travail qui me parle de confort, de luxe, de. Euh, euh, D'autres travaillent autour de la nature, hein, tout ce qui est en lien avec ça. La communication avec le petit oiseau, on ressent beaucoup de mails, beaucoup de choses à traiter. Euh, beaucoup sont aussi à un poste où vous orientez, vous guidez, vous aidez. Certains, vous y mettez une touche hein, avec la, la peinture ici, artistique, créative. Certains, vous travaillez dans les vignes, hein. certains, vous travaillez dans le loisir, le sport ici. Certains, vous, vous, vous travaillez vraiment avec des enfants et vous les aidez à réussir, à les orienter ici. C'est possible. Voilà, je vous donne quelques métiers, évidemment. Pour beaucoup d'entre vous, au niveau de la sphère professionnelle, on peut avoir surtout le fait que vous ayez un rôle à jouer auprès d'une personne, un compagnon que vous aidez à réussir. C'est grâce à votre affection que vous vous, lui, vous donnez confiance à cette personne. Ça peut être un fils, hein. j'ai un garçon ici, un jeune garçon. Qui peut avoir un talon, un don pour euh, faire des travaux euh, manuels ou dans le jardin ou un tra des travaux artistiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les lions, s'il vous plaît Lion, alors c'est petit-fils également. et compagnons ici. Alors c'est drôle parce que j'ai le soleil, j'ai les pyramides et j'ai le, le personnage égyptien. Vous voyez, on parle de l'Égypte là. On peut me parler des pays marocains, tunisiens, méditerranéens, le, tout ce qui est en rapport avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit Alors, certains, dans la sphère professionnelle, vous ne travaillez peut-être pas, mais vous pouvez bénéficier d'un confort car vous êtes avec quelqu'un qui a la main chanceuse, qui a réussi professionnellement, qui a des ambitions. Pour certains, c'est ça. Hein Allez, les messages pour les lions, s'il vous plaît, au niveau de la sphère, on dit quoi Le phénix, on hein, manquait plus que ça. On voit une force hein, de la nature ici, un nouveau départ, pour honnête, tel le phénix. Donc ici, j'en ai certains qui vont vraiment avoir un retour d'un euh, un poste, euh, une réussite quelque part. Qu'est-ce qu'on dit en dos de deck bah, Regardez, on a le lion. <laughs> Esprit animal, tu es guidé, garde confiance en tes rêves. Quel beau tirage, vraiment très beau. Pour beaucoup d'entre vous, si vous avez vraiment vécu des choses, c'était ardu, on sent que c'est le fruit de votre travail. Vraiment, maintenant, vous allez pouvoir en tirer un bénéfice. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a beaucoup trimé, qui a beaucoup, qui a eu beaucoup de jobs, qui est là, qui a, qui s'est lancé, 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 et puis maintenant, il peut, euh, il peut avoir, euh, il peut envoyer des CV dans beaucoup de branches, il obtiendra un résultat. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là pour certains. Mais en tout cas, vous pouvez, être, on me dit dormir tranquille, la paix. Vous pouvez faire un un choix qui maintenant vous apaise et il se peut qu'il y ait une situation sentimentale affective hein, qui aujourd'hui euh, ça y est revient au beau fixe et vous vous êtes vous retour au calme et ça ça va vous faire du bien et ça va permettre de travailler différemment hein, de vivre différemment Là, on a un choix de terrain à faire pour certains, on a un choix de profession. Pour certains, c'est surtout que vous savez très bien avoir les ressources nécessaires pour rebondir parce qu'on me dit qu'on a traversé tout ça et que les papillons vous, aidez, vous, vous ont aidé à évoluer et à faire comme ce, cette pyramide, à évoluer vraiment à partir de la base de tout. Et on voit que vous avez ici maintenant plus qu'à piocher, hein, c'est ce qu'on nous dit. On parle d'un travail virtuel, virtuel, pour certains, on insiste beaucoup sur le côté virtuel de la communication, vous pouvez très bien travailler sur les réseaux, c'est ce qu'on me dit. Vous allez avoir des retours très positifs, hein voilà. Alors pour beaucoup, si vous êtes dans une énergie où vous êtes tout le temps dans le speed et vous n'arrivez pas à vous poser, vraiment c'est une invitation à faire la différence. Vous avez le choix, vous avez la balle au centre, de pouvoir vous apercevoir que lorsque vous êtes dans une énergie attractive, rapide. Euh, Peut-être c'est trop pour vous. Donc, euh, je vous dis, il y a vraiment, un, on insiste beaucoup sur comment vous vibrez. Ça me fait penser, vous savez, aux, aux personnes qui ont des soucis au niveau de la thyroïde, qui sont dans une hyperactivité. Et la différence, c'est quand on, on est dans une énergie plus calme, bah, les choses arrivent tout pareil, mais <laughs> elles arrivent en vibrant davantage la paix. Voilà. Allez, les lions, au niveau de la sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit Alors, Certains, vous allez investir dans euh, des, des balades et le choix de ce que vous allez manger. On sent que vous vous ressourcez, vous prenez bien soin de vous, ou en tout cas, vous, y, vous, allez, vous allez vouloir y aller. Il y a une atmosphère aussi de vacances ici. Hein, ça montre ici qu'on a besoin de faire des petits travaux, de faire de la peinture, de profiter de la vie, c'est ce qu'on me dit. Les lions, au niveau de la sphère matérielle et financière. Là, vous pourriez aussi avoir le, le retour euh, d'une personne qui vous dit, bah voilà, j'ai réussi euh, et vous êtes peut-être la maman ou le papa de cette personne. Hein. Mm. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit à ah, l'immatériel financier bah, <laughs> Le soleil et la pieuvre. <laughs> là, on a le soleil et là, on a euh, Shiva, je vous ai parlé, bah, voilà, c'est un peu l'idée de la pieuvre avec tous ses bras. Euh, L'idée là que vous avez vraiment du fort potentiel, hein, c'est incroyable. Le nouveau départ, le phénix, le nouveau départ, il euh, y a quelque chose qui va briller, c'est très beau. J'ai de la chance ici, on me dit. Euh, la sagesse de la pieuvre, vous voyez, la sagesse c'est celui aussi qui sait tout faire. Donc euh, est-ce qu'on a euh, vécu un chemin de traverse ben maintenant on sait faire, on sait se débrouiller. On a le multi bricoleur, le couteau suisse, vous voyez. Alors pour d'autres, c'est vraiment l'idée de respirer l'air de la mer, de la forêt, de la nature. Vous en avez besoin parce que vous êtes souvent euh, à, là on voit que vous avez un travail qui est quand même assez pr présent ou, ou beaucoup de responsabilités et on me dit que vous avez besoin de purification. Voilà. Alors, pour la sphère sentimentale, pour vous les lions, on a une cigogne et on a l'idée d'une rivalité. Alors là, ce que je ressens surtout avec la rivalité, ce n'est pas forcément le triangle amoureux. Bien sûr, certains d'entre vous, il y a l'évolution d'une personne euh, que vous avez rencontrée, il y a eu le charme et vous vous retrouvez là, ici, dans une problématique, c'est fort possible. Mais ce que je ressens surtout, c'est une évolution toujours avec cette idée d'excès. Alors les lions, j'ai dû mettre une longue pause avant d'aborder le climat sentimental, je peux vous dire c'est assez compliqué, j'ai eu un, un, une quinte de tout importante et cette fumée là qui me, qui me, qui me montrait ici avec l'alcool la, alcool, cigarette, un contexte festif, alors pour beaucoup de lions, vous avez pu rencontrer quelqu'un qui avait une addiction on parle d'un passé vous pouvez très bien être aussi encore avec cette personne mais on voit qu'il y a eu des événements qui se sont un peu précipités on a pu avoir un coup de foudre, un char, le charme mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui gênait cette relation, euh, trop d'alcool, trop de fêtes, trop de tabac, euh, quelque chose en lien avec ça. Mais pour beaucoup euh, cette situation ne parle surtout du chakra de la gorge, une situation confuse au niveau de l'expression, de la communication à ce petit oiseau qui est là. Euh, on a peut-être eu du mal à communiquer et on parle de beaucoup d'excès. Du bavardage pour certains, ou alors pas assez, au contraire de, de, de communication, on ressent quelque chose qui est quand même assez coincé. Euh, moi j'ai dû vraiment m'arrêter, j'ai toussé, 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 donc effectivement là ça parle à des lions qui ont connu euh, un, un parent aussi euh, qui a pu beaucoup fumer et boire. On ressent des réglages qui se passent de génération en génération. D'ailleurs le G peut me parler de régler des choses de votre enfance euh, au niveau de, du trois générations voyez on parle d'une génération, grand-mère, euh, mère, et puis fille hein, ou fils. On parle d'une situation évolutive ici. Et regardez comme cette cigogne, elle tourne le dos à ce qui est dysfonctionnel, ce qui est problématique. Et on ressent bien que euh, c'est une prise de conscience ici qui ressort. Hein. Beaucoup de conflits, beaucoup de problématiques, beaucoup de confusion au niveau de l'esprit, au niveau de la gorge et au niveau de la communication. Tout ça peut être lié ici avec un passé. Et Miracle nous dit qu'on guérit. Mais là on voit qu'il y a le contexte charme et séduction. Alors pour beaucoup de lions, il se peut que vous soyez ce mois-ci en sortie, que vous rencontriez une personne avec qui, et ça ça, ça, ça marche bien d'ailleurs même, euh, ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée. On parle d'un passé ici, le retour, euh, le nuage nous parle d'un ex ou d'une personne que vous avez déjà fréquentée, peut-être soudainement, il peut y avoir eu un vrai coup de cœur, euh, quelqu'un que, que, que vous charmez ou que, qui vous charme, et on ressent quand même qu'il y a un contexte qui a bloqué l'évolution de cette relation. Donc euh, un déménagement, un éloignement, une personne qui était déjà euh, engagée ou une problématique à régler, en tout cas, on ne comprena on se comprenait pas. Ici, il y a des explications. Voilà. Mais pour, la, pour le coup, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a la notion de miracle. Hein. Donc, pour moi, le miracle n'est rien de plus que la guérison d'un contexte, d'une problématique. Vous pouvez très bien vous remettre ici d'une problématique avec un ex hein, et euh, on voit que ça s'arrange. Hein. Mais je vois des réglages ici, beaucoup de réglages et un contexte plutôt festif. D'ailleurs, même, j'ai des lions qui charment beaucoup. Vous, vous, vous provoquez ici des, des coups de cœur et on sent qu'il pourrait même y avoir l'embarras du choix pour certains lions. Mais. Euh il se peut que ce soit une personne qui peut être à distance géographique assez éloignée de vous, voire même qui, euh, bah, on vous invite aussi hein, pour certains lions de vous éloigner d'une problématique euh, où euh, vous, vous, vous êtes en train de faire vos propres réglages. Moi, j'ai des lions euh, qui euh, sont peut-être été dans une relation superficielle hein, et on vous invite vraiment à partir pour aller vers quelque chose de plus constructif. Voilà. Allez pour vous les lions. Pour certains, vous n'êtes pas tellement euh, motivé là pour vous, pour vous lancer dans une relation amoureuse. Vous êtes tiraillé. Voilà. Est-ce que je reviens Je reviens pas. Bon, allez pour les lions au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous donne Comme euh, euh, j'ai trop trop de trop de cartes. Solaire et ascendant lion, s'il vous plaît. Contexte sentimental pour le mois d'octobre. La créativité, on la retrouve ici avec ce tableau de couleurs. La parole, hein. moi je pense qu'on veut nous indiquer que ça parle de communication, il y a quelque chose à voir avec ça. Et on me reparle du succès, du charme. Moi j'ai des lions, hein, vraiment, avec ce soleil, euh, mmh. ce soleil partout qui, euh, qui, qui retrouve un certain rayonnement. On retrouve ici euh, beaucoup de charme, beaucoup de... Euh, voilà, il y a du succès, pour certains c'est ça. Créativité, ça peut être aussi ce que vous êtes en, euh, en train de mettre en place pour sauver votre couple, et vous allez y parvenir, pour beaucoup d'entre vous, euh, d'essayer de trouver des solutions pour faire évoluer la relation dans le bon sens et s'éloigner peut-être d'un contexte qui n'est pas forcément très sain. Hein. Euh, on montre quand même beaucoup de choses dans le bon sens, les lions. Hein, donc, euh, c'est très bon. Regardez le vent comme il chasse les nuages et on retrouve cette éclaircie. Donc, un très beau tirage pour vous, les lions. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous. En tout cas, euh, voilà, beaucoup d'énergie. Euh, il se peut aussi qu'on parle d'un contexte qui est beaucoup plus euh, une passion ici, hein, qui comble votre... Peut-être ici, vous vous éloignez de certaines relations euh, et vous, euh, vous, vous, vous vous mettez à créer quelque chose. Voilà, ça remplit toute votre affecte et ça, ça sent met bénéfique pour beaucoup de lions. je vous souhaite un très bon mois d'octobre. je vous dis à bientôt.